bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, je vous fais mon petit retour, un petit retour liquide. Je vais vous donner mon ressenti. On va chez Flavor Power, fabricant des liquides français. On va dans la gamme L'Éphémère. La gamme L'Éphémère, qu'est-ce que c'est que la gamme L'Éphémère? La gamme L'Éphémère, c'est une série limitée. C'est-à-dire que Flavor Power décide de sortir des liquides dans cette gamme L'Éphémère, comme son nom l'indique. C'est éphémère. Et ensuite, ces liquides-là passent dans leur gamme 50-50. Voilà, c'était la petite histoire. Nous, aujourd'hui, on va aller voir le Véron. Je vais vous donner tout simplement mon ressenti sur le Véron. Et puis, comme d'habitude, là, on va aller tout de suite aller faire le tour de l'étiquetage pour voir si on est clean côté pour la prochaine TPD, paraît-il. Donc, on va voir ça tout de suite. Allez. Voilà, sur le flacon du Véron dans la gamme L'Éphémère, de chez Flavor Power, donc série limitée, arôme 100% français, une contenance de 10 ml. Vous avez ici fabriqué en France avec le nom du labo ainsi que le numéro de téléphone. Le petit picto déconseillé pour les femmes enceintes. Vous avez ici le nom du site de Flavor Power où vous irez pêcher. Vous irez pêcher les informations que vous voulez. Hein. On a ici tout le petit blabla habituel qu'on a sur les étiquettes qui sont TPD ready. Hein. On a ici, ensuite ici le picto avec le point d'exclamation car nous sommes sur un liquide inférieur à 6 mg de nicotine. Vous voyez, on est sur du 3 mg de nicotine, donc on est sur le point d'exclamation. On a également, je ne sais pas si vous le voyez, mais on a bien le triangle pour nos amis malvoyants. On a ensuite un numéro de lot, une DEU lot, et le dosage de nicotine. On a ensuite les ingrédients composant ce liquide. Donc on est sur du propylène glycol à 50%, glycérine végétale 50%, arôme alimentaire, eau et nicotine. Voilà, on est sur un flacon souple, plastique souple, j'aime bien. On a la bague sécurité première ouverture et un bouchon équipé d'une sécurité enfant, bien évidemment. Il est également équipé d'un embout relativement fin qui va rentrer dans la quasi-totalité des atos et cliros du marché. Voili, voilou. On a fait le tour de l'étiquette, on est clean, on se retrouve et on déguste le petit Véron dans la gamme éphémère. Voilà l'étiquetage, nickel, on est clean. De ce côté-là, Flavor Power, sur tous ces flacons, on est au top. TPD ready, bravo Flavor Power. On est clean. Voilà. Ça c'est fait, on n'en parle plus. Maintenant on va aller goûter le juice quand même. Donc le Véron dans la gamme éphémère. C'est quoi? C'est un mélange de brioche à la vanille, de noix de coco et de citron vert. Le tout parfaitement équilibré. Ça c'est le descriptif du site. C'est disponible en 10 ml. TPD ready. Et décliné en 3 dosages de nicotine. Le 3, le 6 et le 12 mg de nicotine. Pour ma part, je suis en 3 mg de nicotine, mais ça, je vous l'avais déjà dit aussi avant. On va tout de suite aller tester ce que c'est un petit peu que ce Véron. Alors, ah oui, on est sur un gourmand. Il n'y a pas de souci. J'ai cette vanille, vanille noix de coco. Même comme ça, l'odorat, un peu plus de noix de coco. Écoutez, sans plus attendre, je mets ça sur mon petit dripper, le Deringer V3 en single coil, Fiber Frix densité 2, résistance, 1.11 ohm et je suis à 15 watts. Voilà, j'humidifie quelque peu ma fiber et puis on va aller se voir ça. On va aller voir ce que ça donne, quoi. Donc, 50-50. J'aime bien ce goût pâtisserie.
J'ai une belle densité de vapeur pour du 50-50. J'ai un hit en rapport avec le 3 mg. J'ai pas de souci là-dessus. C'est bon, belle surprise. Belle surprise. Cette brioche à la vanille est surélevée de la noix de coco quand même. Pour moi, à mon avis, je ressens la noix de coco un poil au-dessus de la vanille. Le citron vert vient bien derrière, il vient amener une petite touche d'acidité, mais on le sent pas vraiment quoi. C'est très bien équilibré. On est vraiment sur de la brioche, vanille. On est vraiment sur une, on va dire qu'on va rentrer dans une gamme gourmand côté pâtisserie quoi en fait. C'est très bon. Et très bon ce petit Vérone dans la gamme l'éphémère. J'ai pas grand chose à vous dire de plus. Moi, il me plaît bien. Je pourrais le vaper, très honnêtement, je pourrais en vaper un tank sans aucun souci. En faire un all day, je suis pas certain parce que c'est quand même un gourmand. Et moi, je suis plus axé fruité, rafraîchissant, on va dire. Pas ultra frais, mais rafraîchissant. Là, on n'est pas sur un côté rafraîchissant, on est sur un gourmand. On est sur une gourmandise, hein, ni plus ni moins. Le genre de petit liquide à vaper dans le canapé, devant la téloche, par exemple, ou devant VapMotion, aussi. J'aime bien. Le petit Vérone, il est sympa. Voilà mon ressenti sur le Vérone. Pas grand-chose d'autre à vous dire. C'est un bon liquide. Il plaira à un grand nombre. Il plaira à un grand nombre de vapotos. J'en suis à peu près persuadé. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée, une très bonne vape. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Ciao, ciao!